Yo tout le monde, c'est Sartek, j'espère que vous avez. En tout cas moi ça va bien et aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter en fait mon setup de ma chambre. Donc premièrement désolé pour la qualité du son, je crois que c'est pas la meilleure. Puis désolé aussi pour la qualité de la caméra, c'est la caméra de le Kodak de mes parents. Et faudra justement que je m'habitue, que je peux zoomer. J'avais carrément oublié. Et puis, ouais, c'est ça. Fait que là, c'est pas la meilleure qualité. Autant audio que vidéo. Mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. Donc, qu'est-ce que j'ai d'autre chose à dire? Oui, vous allez voir, c'est pas le gros setup. Mais en fait, c'est que tout ce que j'ai, c'est tout ce que j'ai eu avec ma fête, Noël et tout. Donc, vraiment, c'est quand même pas mal pour ça. Là, j'ai commencé à travailler et tout, donc je vais pouvoir commencer à me payer des affaires que je veux. Voilà. Donc, on commence par mon coin de lit. Voilà, c'est tranquille. Vous pouvez voir mon big poster de Bob Marley. Donc, en fait, ce poster-là, qu'est-ce qui est cool, c'est que... Ben, c'est quand même... je sais pas si vous entendez, mais bon. Puis, c'est 9 petits carrés comme ça qu'on colle. Ça fait ça pour ça. Donc ensuite, voilà, je vais pas peut-être vous montrer, mais je suis pas mal accro à Bob Marley. C'est vrai que, pour ceux qui connaissent pas, ben, tant pis. Tac. On va tac, 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 tac. Je vais pas peut-être vous montrer non plus. Tac. Bon, tout ça, bref. Vous voyez, je suis pas mal accro, il n'y a pas juste ça, j'ai du linge et tout. Ça, je vais juste... fermé ça, bon voilà. Donc on va commencer maintenant. Je veux juste vous montrer mon software. C'est pas le gros software, mais c'est un software assez cool. C'est un M4. Voilà, j'ai tapé le bout parce que sinon qu'est-ce qui paraît, on voyait juste le bout orange quand que je faisais une guerre. Voilà, ça va faire ça. Voilà. Donc, on va passer à la partie bureau. Tadam! Donc voilà, comme je vous disais, c'est pas le gros setup non plus, mais c'est quand même assez cool. Donc, on va commencer par ce meuble-là, qui est... Attendez. C'est un meuble en bois que j'ai fait à mon école. Ça fait pas longtemps que je l'ai fini. Puis, j'ai un tiroir... voilà, j'ai créé ça, puis le petit trou pour passer le fil à iPod. C'est comme mon petit bureau pour mon iPod. Ça, bref. Ça, c'est mon deuxième écran qui est pas toujours branché, qui est jamais branché, en fait. J'ai jamais... Il me faut un autre adaptateur, mais bref, c'est vraiment cher s'il n'est pas usagé, bref. Bref, c'est... voilà, je ne l'ai pas pour l'instant, mais bon, c'est pas si grave que ça. Donc, voilà, une écran carré. Ce que j'aime pas par contre, c'est que, je sais pas si on va le voir, voilà, ces pattes là on peut pas les enlever, puis ça fait que, en fait, quand on le met, ça, je sais pas si on va le voir vraiment, c'est ici, ça cache un peu, mais bon, voilà. Ben oui, c'est ça, ça cache un peu, mais là je l'ai tassé pour que ça soit correct. Donc, puis mon clavier sans fil. Voilà, c'est la marque Cross. C'est de la Cross. Non, sérieux, je sais pas c'est quoi cette marque-là, mais bon, c'est pas grave. Les vis sans fil, qui fait plaisir, ils touchent. À part si on tape dessus comme un fou, on les entend pas trop. Souris Alienware, que mon frère m'a passé parce qu'en fait, il s'est acheté une Alienware, puis ça vient avec, mais puisqu'il s'est acheté une souris par la suite, ben il me l'a passé. Passons à l'écran. Une 32 pouces de RCA. Qu'est-ce que j'ai à dire dessus? Pas grand chose. Je sais pas si c'est une 1080 ou une 720. Mais bon, on s'en fout un peu. Ah, mais tant que ça soit beau. Voilà. Ensuite, ma caméra, ma webcam, que j'utilise pas souvent, mais une webcam, on s'entend que c'est quand même assez pratique. Une Logitech, voilà. C'est pas en HD par contre, mais bon, c'est pas un problème. Ensuite, mon micro-casque.
VPX, VPX9. Donc 13$ sur eBay, bonne qualité. On voit ici que confortable. Les oreilles aussi. Par contre, quand on l'utilise, genre quand on l'a dans les oreilles pas mal longtemps, il commence à péter les oreilles. Ça fait quand même mal, mais bon, c'est pas, c'est ça le défaut. Le micro, vous pouvez le voir, vous pouvez l'entendre par mes vidéos sur les news de la techno. Puis sinon, voilà. Ensuite, est-ce que j'ai d'autres choses? Oui, j'ai mon ordi, sauf que, est-ce que j'ai d'autres choses avant? Non, ok. Donc, passons maintenant à mon ordi. Donc, c'est un ordi, une boîte. Mais, en fait, tout le monde sait les boîtes de PC sont comment. En fait, moi, c'est un petit peu différent. Hein. C'est pas fait en hauteur, mais c'est fait en longueur. Donc, vous pouvez voir avec ma main comment est-ce qu'elle est grande. Tac. Ça fait, tac, 3 mains environ. Voilà, c'est quand même assez grand. Puis, ici, vous voyez, parce que c'est, en fait, c'est la carte graphique ici. C'est pas la carte graphique du début, en fait, parce que le case, ben ça, il est trop petit, voilà, parce que c'est pas des caisses habituelles. Puis, en fait, sinon, ça rentrait pas, la carte graphique. Et donc, il a fallu faire un petit trou. Mais, voilà, ça, c'est mon ancienne carte graphique. Quand même pas mal cool pour faire aérer. Voilà, comme ça. Je vois pas de ça. Voilà, pas grand chose. Je l'ai pas mis sur mon bureau parce qu'elle fait trop de bruit, mais sinon elle est pas mal correcte. Voilà. Ah, je vois qu'il reste 3 minutes 28 à la vidéo. Putain, cause du codec qui va fermer sinon. Bon, voilà, ici mon ancien casque, 25$ de Logitech. J'ai jamais dépensé très cher pour des casques. Mais, attendez. Voilà. Logitech, super bon. Bon, confortable, non, mais pour le micro et tout, super. Ça, c'est un micro à une oreille que je me sers quand que... Ben là, je m'en sers plus vraiment, mais quand je faisais des vidéos avec mes amis sur Xbox. Vu que mon casque d'Xbox, il est juste un oreille, j'avais besoin d'un micro pour qu'on m'entende sur le... comment ça s'appelle? Audacity. Puis je me suis acheté ça. Ça là-dedans. Sinon, au pire, je fais une coupeur, ça dérange pas. Mais... Sinon, on a ici mon tiroir de... Ça, c'est le casque... de Turtle Beach, donc je suis mon tiroir que mes jeux, voilà. Call of Duty Black Ops 2, GTA 5, Black Ops 1, MW2, MW3, MW1, Left 4 Dead 1, Forza Motorsport 4, Red Dead Redemption, Battlefield 4, NHL 2012, Medal of Honor, et... Dirt Showdown, un jeu de voiture. Ah, voilà, ça se ferme. Le petit son bizarre que j'ai fait avec ma bouche. Voilà, je referai plus ça. Ça va faire bizarre sinon. Ensuite, ma Xbox. Voilà, pour finir. Super. Moi, j'aime pas ça les manettes sans fil. Donc, avec un fil, super. Puis, je crois que c'est tout, vraiment. Il reste 1 minute et demie. Je vais m'en servir pour... vous dire au revoir. Donc là, j'ai plus vraiment d'idée de vidéo depuis que j'ai plus mon HDPVR, parce que en fait je sais pas pourquoi ça fonctionne plus. Au pire, voilà, c'est parce que je sais pas si c'est le chien, je sais pas si c'est eux qui disent la merde. Au pire, mais c'est parce que, attendez, je vais vous montrer. Au pire, il va rester 1 minute. Attendez, logiciel de capture HDPVR. Voilà, je vais le trouver. Voilà, avec ce logiciel, en fait, à quelque part, c'est écrit OPH Capture prend en charge tous les modèles de HDPVR 2.
Voilà, juste HDPER2 et moi j'ai le 1. Donc, je sais pas si c'est à cause de ça, mais l'ancien logiciel, il l'a plus. Donc, je crois vraiment que c'est à cause de ça, mais bon, je risque de garder un petit peu d'argent pour m'en acheter un cet été, parce que voilà, j'ai d'autres choses à m'acheter avant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a plu de vous la faire. Donc, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert, à commenter la vidéo et à vous abonner. Donc, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao!